l'absentéisme est un des éléments forts de notre économie. Bien sûr, il est fort en matière d'usine, de fabrication, d'atelier, mais il est fort également en matière d'image. Il est fort également en matière de tourisme. On sort de la semaine du Golfe, vous savez ce que cela veut dire. Nous avons sur chacun de nos bassins eh bien, des entreprises performantes. Nous avons des concepteurs et nous avons des constructeurs. Donc je crois que notre territoire est tout à fait approprié à répondre dans un certain nombre de domaines aux attentes en matière de tourisme. Morbihan est le premier département à avoir créé un cluster nautique. Pourquoi ? Alors, l'idée n'est pas de nous, hein, les premiers. Hein, nous avons copié sur un certain nombre de pays anglo-saxons. Et nous avons un peu voulu le dupliquer chez nous, de manière à mettre en réseau de travail local un certain nombre d'entreprises qui, grâce à leur complémentarité, peuvent répondre à des projets plus importants. Bah, l'intérêt effectivement de ce cluster, d'une part on a des entreprises de la taille de JPK, c'est un petit peu notre pain quotidien j'allais dire, puisque sur ce territoire on a des entreprises de niche qui sont essentiellement des PME ou des TPE, hein, des très petites entreprises, moins de 10 salariés la plupart du temps, et l'environnement économique j'allais dire, il est extrêmement sécurisant pour chaque entreprise, dans le sens où il pourra trouver à sa porte des besoins qu'il ne peut pas satisfaire en interne parce qu'il n'a pas les compétences à la fois humaines ou les moyens techniques. Ces compétences humaines ou les moyens techniques, elles sont à moins de 20 minutes de la porte de son entreprise. C'est un énorme réseau relationnel. C'est effectivement un énorme réseau relationnel. On a la chance aussi d'avoir des chefs d'entreprise qui ont adhéré rapidement à la démarche, qui sont aujourd'hui intégrés à un groupe de travail qui se réunit 4 fois par an et qui détermine avec les élus du département la politique à suivre, les grandes lignes de développement économique nécessaires au développement de l'ensemble de cette filière. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un réseau relationnel, mais pas uniquement sur l'aspect amical. Il y a vraiment des relations business qui se font de l'intérêt d'entreprise et de l'emploi pour le Morbihan.